Bonjour à tous, c'est Michien, et on se retrouve aujourd'hui pour un commentary non live. Donc nous sommes sur Grand Bazar, nous sommes évidemment en conquête comme vous le voyez, en conquête large. Je pense que c'est du 64 joueurs ou du 48 dans ce coin là, donc c'est pas une petite partie. Et je joue le soutien. Alors je ne suis pas seul, vous pouvez voir dans la gestion des squads en bas à gauche que je suis avec Sunny Black et Patole, donc qui a changé son pseudo pour Pato Blue récemment. Vous remarquerez que beaucoup de GDO l'ont fait, moi je l'ai pas fait pour des raisons, j'aime bien mon pseudo tout simplement. Je le ferai peut-être, je changerai en Michienbou ou Michibou, on verra, ou Mimibou, hein. Enfin bref, je vous propose cette partie, c'est en fait pas une partie complète, c'est la fin, donc moi je venais de rejoindre et de capturer une position rapidement. Mais sinon vous verrez, j'ai quasiment tué personne, c'est juste une petite fin de partie comme ça, pour vous présenter un peu de gameplay rapidement. Parce qu'il faut le reconnaître, une chose qui n'est pas pratique sur Battlefield, c'est que toutes les parties sont très très longues. On se retrouve très vite avec une partie d'une demi-heure, 50 minutes. Et moi ça m'arrange de temps en temps de faire une partie un peu plus courte, un peu plus rapide, d'un quart d'heure, 20 minutes. Et donc là je crois qu'on est à 16 minutes. Alors je vais juste encore vous présenter une dernière chose, c'est la musique de fond. Donc c'est un groupe que j'ai découvert grâce à un site où on peut télécharger gratuitement la musique de façon totalement légale, donc c'est à dire que c'est certains groupes qui mettent en ligne leur musique gratuitement. Donc le groupe c'est Neon Zoo, un très très bon groupe d'électro, metal, hard rock, enfin c'est de l'électro assez hard j'ai envie de dire. Et la chanson que vous entendez actuellement est ma préférée de eux, Heaven Sin, je pense que c'est aussi le nom d'un de leurs albums. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, ainsi que les noms des musiques, et on aura aussi dans ce gameplay leur musique Monster et Unspoken, je crois que c'est du même album. Donc, parlons un peu gameplay, donc là c'est la première partie que je faisais sur Battlefield 3 depuis 3 jours à peu près. J'avais plus joué pendant une petite période, simplement parce que je jouais à Tribes Ascend, un très très bon jeu au demeurant, pardon, au passage, au demeurant pareil. Et j'avoue que je suis assez content, surtout qu'on a bien joué l'équipe. Bon, c'était pas génial, mais on a quand même réussi à se démerder entre nous. Donc vous verrez mon rôle, j'ai envie de dire. Souvent, ce sera de faire un peu le bourrin qui attire les ennemis, permettant au reste de l'équipe d'un peu avancer, et aussi de donner des munitions. Ça, c'est vraiment les rôles que je prends. Je suis pas un énorme fragueur, hein. Je suis un peu... je suis un bourrin, quoi, voilà. Donc je me fais souvent tuer, je frague pas énormément, mais c'était pas non plus le but. Franchement, j'aime beaucoup la classe soutien. Et depuis la mise à jour, j'aime beaucoup la M60, donc elle a gagné énormément en précision. Bon, la M240B reste beaucoup plus pratique de par sa puissance et sa précision, mais la M60 est tout à fait correcte. Donc vous voyez là, on est en train d'essayer d'avancer par le côté. On est un peu coincé en fait parce que ça reste au fond, à droite dans la cahute. Mais on réussit à la spawn kill ou à peu près, donc là je vais essayer d'avancer. Voilà, il me semble que je vais passer, enfin je suis passé, je l'ai tué. Donc là, hop, on avance. Alors, petite précision, vous n'avez pas la discussion en live, tout simplement parce que on était à une dizaine sur le TS, et que j'avais pas prévenu que j'enregistrais spécialement. Donc, on racontait un peu n'importe quoi, il y en a qui jouent à d'autres jeux, donc voilà. C'était pas du tout intéressant ou sérieux ou quoi, c'était vraiment de la partie en mode... on se fait une partie l'après-midi en mode délire, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors, continuons. Là, je crois que... ouais, j'ai encore le temps. Donc, j'ai vu que la vidéo de Versus avait pas mal plu, donc j'en repasserai sans doute de temps en temps. J'avoue que le Versus, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que j'ai pas toujours accès à un micro, et donc pour jouer en Versus, c'est pas évident. Mais bon, ça on va essayer de changer ça, enfin je vais essayer de changer ça bientôt. Donc là vous voyez, on s'est fait prendre A, donc moi je vais voir, et je me retrouve face à 3 ennemis, j'avais pas du tout prévu qu'ils soient déjà là. Mais donc j'ai directement prévenu mon équipe et on est venu me chercher, enfin c'est même pas eux qui sont venus me chercher. Ouais, ils étaient juste là de l'autre côté. Enfin voilà. D'ailleurs je me demande si c'est pas là qu'il y aura une belle action C4. Oui d'ailleurs, je voulais juste passer un petit coup de gueule. Y a beaucoup de... enfin, on joue pas mal en métro. C'est un peu la carte de l'équipe de la team, j'ai envie de dire. Là, j'avais pas vu le gars. C'est un peu la carte de l'équipe, le métro. Surtout en 32, mais aussi en 64 ou en 48 quand on en a envie. Et il y a beaucoup de serveurs et d'admins surtout qui me font passablement chier. Alors, dans ces cas-là, moi je quitte la plupart du temps. Mais j'ai déjà un serveur, je me souviens plus quel était ce serveur, mais je me suis fait cliquer pour avoir tué quelqu'un au C4. Puis comme l'équipe jouait dessus, j'ai rejoint. Puis j'ai tué quelqu'un au fusil à pompe, je me suis fait kicker. Alors qu'en face, ça jouait M26, ça jouait USAS. En fait, c'était simplement que tous les administrateurs étaient en face et profitaient de leur pouvoir. Alors, d'accord, c'est les administrateurs, d'accord, c'est leur serveur, etc. Mais je trouve que quand c'est un serveur classé, ça ne devrait pas être permis de kicker les gens pour usage d'une arme, alors qu'en face, ça utilise des armes pires. Je veux dire, j'étais au M1014, donc il y a un fusil à pompe semi-automatique. En face, ça jouait à l'USAS et c'est moi qui me fais kicker. Je jouais aux fléchettes, donc je jouais pas aux munitions explosives ni rien. Donc bon, voilà, je trouve ça, c'est limite, c'est incorrect. Donc si vous avez un serveur, pitié, ne faites pas ça, quoi. Donc là, vous voyez, on a tous spawn dans ce coin-là, on va se faire coincer, je pense. Ils vont nous mettre ce qu'on leur a mis juste avant. Un soleil venait de A, et je pense qu'on a même qui sont venus de C, qui ont fait le contour. Donc là, je me fais aligner. Faut dire que la M16 est vachement puissante. D'ailleurs, franchement, maintenant, je joue la M16 en assaut et je peux dire, je le remarque moi-même quand je la joue, cette arme est vraiment beaucoup plus précise que les autres. Pas seulement plus puissante, mais elle est très précise et elle tire quand même assez vite. Ce qui permet tout simplement d'aligner plus vite les ennemis que eux ne nous alignent. Donc voilà. Personnellement, j'aime pas trop jouer une arme comme ça abusée, mais comme tout le monde la joue. Et qu'en plus c'est une arme qui est... Enfin, il y a des règles avec les versus, etc. Ou parfois on peut utiliser que certaines armes, etc. Enfin, nous on joue en versus Europe. Donc normalement on a droit à toutes les armes, même au RPG malheureusement. Juste le M26 qui est pas autorisé, heureusement. Là je me fais bloquer, c'est bon. Donc voilà. Il y a aussi l'AEK qui est pas mal utilisé. En fait l'AEK c'est une copie conforme de la M16 en plus rapide, hein, tout simplement. Donc là je vois qu'il y a 3 grenades qui arrivent et j'ai réussi à survivre, c'était assez énorme. Et là j'ai voulu se lancer en C4 et je me suis suicidé lamentablement. Enfin, merci à Patole ou Sunny, non je crois que c'est Sunny qui m'a ressuscité. D'ailleurs, il faudrait une fois qu'on se fasse une vidéo où on cause un petit peu, tous ensemble là. Surtout, on voulait aussi essayer d'organiser un peu nos matchs, puisque pour finir le line-up B de la team GDO n'a pas encore joué du tout en ESL, à part des versus, mais bon, les versus ça compte pas, c'est autre chose, c'est un autre tournoi, j'ai envie de dire. Donc là vous allez voir, ça c'est un spot que j'aime beaucoup quand on est dans ce genre de position là, parce que moi je vais simplement couvrir ce qui vient du A, je leur mets de la suppression, etc. Pendant ce temps là, les amis peuvent couvrir ce qui vient de l'autre côté, et donc ils ne sauront pas passer de ce côté-ci, où je suis, tout simplement parce que la M60 me permet de tirer très longtemps sans devoir recharger, et donc de mettre beaucoup de suppression, donc je touche pas spécialement beaucoup, mais au moins je les bloque. Et pendant ce temps, mon équipe essaie d'avancer de l'autre côté, de contourner, etc. C'est quelque chose que vous verrez assez souvent faire sur cette map. D'ailleurs, je réussis même à tuer des gens là, sur le côté. Et je donne évidemment encore mes munitions. Donc, aussi, petite chose à préciser, je pense que je vais bientôt être à la limite des amis sur Battlefield 3. Donc si vous ne pouvez plus m'ajouter en ami ou etc, dites-le moi. Je créerai éventuellement un platoon Michien YouTube machin brawl, et je transférerai tous les abonnés sur ce platoon. Je croyais qu'il n'y avait pas de limite parce que j'ai dépassé les 100, mais là il me semble que je peux plus inviter de gens. En tout cas j'essaie d'inviter quelqu'un, ça m'a pas permis de le faire. Donc il faut voir, il faut voir. Donc là on a réussi à passer à gauche, me signale-t-on. Donc moi je vais aller voir, hein, avec ma grosse batteuse c'est toujours pratique. Et je pense que je vais réussir à passer un petit peu et puis crever plus loin. Ah non, non c'est vrai, on décide de rester un peu derrière. Non, je sais pas là. Enfin c'est pas grave. Donc, autre petite précision. Pour la vidéo sur Tribes, j'avais oublié de le préciser pendant le gameplay. Mais pour ceux qui s'inscrivent via mon lien, il est impératif de dépasser niveau 6 pour que ça compte. Donc vous inscrivez pas juste pour vous inscrire et me faire plaisir, ça vaut pas. Il faut aussi jouer pour que ça compte. Donc si vraiment ce jeu ne vous a pas intéressé, ne vous inscrivez pas, évidemment pas. Mais je voulais remercier les quelques personnes qui se sont déjà inscrites via ce lien. Merci à vous. Je voulais aussi vous conseiller d'aller voir la chaîne de Hackulous et de Azimut. Je vous mettrai les deux liens dans la description. Qui sont des amis de GDO, des très très bons pilotes et des joueurs émérites, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est des joueurs qui sont très bons, je me permets de leur faire un petit coup de cube au passage. Si vous aimez bien les vidéos de stunts, entre autres en hélicoptère et en avion, c'est deux joueurs qui devraient beaucoup vous intéresser. Ils sont vraiment très très bons. Même pour tout ce qui est maniement de l'arme, les deux ont un niveau excellent. D'ailleurs je pense qu'ils font tous les deux partie du line-up A de la team GDO si je me trompe pas. Pour Azimut je suis pas sûr, hackulous il me semble. Donc là on vient de se faire tous descendre et Patole a une déconnexion. Donc ça c'est assez chiant aussi, il y a pas mal de déconnexions sur Battlefield dès qu'on a une connexion un peu flagelante. Et la musique me signale qu'on entre dans le troisième tiers, donc la dernière partie de cette vidéo. Donc nous sommes déjà à 11 minutes, disons 30 maintenant, de vidéo. Donc c'est déjà pas mal. On arrive à la fin de ce gameplay, donc comme je l'avais dit, un gameplay assez court. Il y aura une partie plus grande sur Grand Bazar qui va arriver bientôt. En fait le retour de ce match-ci. Un beau retour d'ailleurs, c'est moi qui ne suis pas le fragueur de l'équipe, j'ai réussi quand même à faire un joli 60 kills sur la partie. Alors là vous remarquez, je me retrouve devant des ennemis qui se spawnent l'un sur l'autre. Et au lieu de me concentrer sur un, j'ai essayé d'en descendre plusieurs et donc je me suis tapé que des assists. Des belles assists d'ailleurs parce que je les ai tués au couteau, c'était assez beau j'ai trouvé. Et enfin voilà. Sinon, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, nous sommes en mai. Et pas n'importe quand en mai, nous sommes à la fin mai. Il est déjà le 20 mai. Or, il était annoncé que le pack, le nouveau DLC Close Quarters sur Battlefield 3 sortirait sans doute en juin, début ou fin juin, je sais plus. Franchement là, c'est trop à me demander. Mais donc c'est dire que c'est bientôt. Et donc j'espère bientôt pouvoir vous proposer des nouvelles informations. C'est toujours sympathique. Mais aussi bientôt vous proposer des gameplays sur ce nouveau pack. Donc je sais pas si vous comptez l'acheter ou pas. Moi je pense vraiment l'acheter malgré que je suis plus ou moins contre l'idée des DLC. Je trouve que les DLC de Battlefield sont souvent très intéressants. Même si je n'ai pas d'ailleurs téléchargé ou acheté Vietnam. C'est d'ailleurs un DLC que j'aurais dû acheter, enfin DLC. C'était plus un jeu supplémentaire Vietnam. Mais c'est quelque chose que vraiment je me suis dit par après j'aurais dû l'acheter. Et je l'ai pas acheté simplement parce qu'à ce moment là j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis entre temps Battlefield 3 est sorti. Et donc voilà, mais là vraiment je ne compte rater aucun DLC de Battlefield 3. Surtout que ce sont des DLC très complets, je pense qu'on parle de 8 maps par DLC, à peu près autant d'armes, etc. Donc vraiment c'est quelque chose qui pour moi me semble assez intéressant. Désolé si j'ai fait une erreur, hein. Il est possible tout à fait que je me trompe. Enfin, sur ce je voulais encore vous parler d'une dernière chose, si j'ai le temps je regarde rapidement ma timeline. Ok, ça va 2 minutes, c'est largement suffisant. Donc autre petite chose, j'ai décidé, et vous allez sans doute rire parce que certains maîtrisent très bien ça déjà, mais j'ai décidé de me mettre au pilotage des hélicoptères vraiment. C'est-à-dire que je vais m'entraîner au pilotage des hélicoptères et donc je comptais peut-être vous proposer une série apprendre à piloter, en sachant que pour l'instant je pilote vraiment pas terriblement bien, hein, pour le dire je pilote même tout à fait nullement, mais donc vous proposer une vidéo qui vous permettra de suivre la progression de quelqu'un qui ne sait pas du tout piloter, éventuellement de vous en inspirer pour apprendre vous-même à piloter. Donc vraiment dites-moi si ça vous intéresse. Personnellement je pense que ça peut être intéressant. Maintenant je la ferai aussi que si plusieurs personnes me disent que ça les intéresse, hein. Je vais pas non plus faire toutes mes vidéos là-dessus parce que ça prendra beaucoup de temps pour à mon avis atteindre un niveau assez élevé. Et je pense peut-être demander à hackulous ou Azimut de m'assister pendant quelques-unes de ces vidéos. Donc je verrai ça, donc n'hésitez pas à me dire par les commentaires si ça vous intéresse ou pas. D'ailleurs n'hésitez en général jamais à commenter pour me donner votre avis. D'ailleurs lui il voulait pas crever, il a carrément disparu là-haut. Regardez, il n'y a pas de cadavre et il n'est pas là. Et j'ai aucun bonus de spot, etc. Ça m'a fait très bizarre, enfin bref. C'est la fin de cette partie. Donc nous avons gagné, j'ai envie de dire, relativement facilement, je sais pas combien de tickets il reste à la fin mais c'était assez impressionnant. Vous remarquez que je finis avec un score correct pour quelqu'un qui a rejoint en cours de partie, toujours en étant soutien, beaucoup de points au niveau des ravitaillements, c'est quelque chose de très important, hein, ravitailler, vraiment jouer l'équipe ravitaillée, réanimer quand vous êtes médecin, etc. N'oubliez pas de donner de la vie aussi. Prenez plutôt l'AEK qu'un M26, déjà le M26 c'est totalement abusé, sauf si vous le jouez sans le glitch, alors là je peux encore comprendre, mais maintenant il est tellement joué avec le glitch que bon. Donc vraiment n'hésitez pas à jouer vos alliés, à jouer vos objectifs. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de pouciser comme je dis toujours, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de mettre en favori et d'aller voir les chaînes et les liens vers les artistes que je vous aurais mis dans la description. Salut à tous!